Salut les gens, c'est Fossoyeur. Alors, on se retrouve pour le jeu du pendu, pour avoir tous les mots et tous les bonus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, alors il y a la flèche du haut, la flèche du bas. On change les lettres par le début ou par la fin de l'alphabet, suivant la flèche que vous prenez, et on valide avec le point du milieu. Donc là, j'ai validé, apparemment, ma première lettre, c'est D. Alors voilà, tous les mots et tous les bonus. Donc, D, on voit, j'ai qu'un seul mot qui commence par D, c'est damnation. Donc on va écrire sans damnation. Et ça va nous faire tomber le bonus bombe nuque. Alors honnêtement, je pense que le plus intéressant d'avoir, c'est évidemment le Wonder et le Jackbox. C'est les deux plus intéressants. Après les autres, on peut laisser genre faire trois quarts du mot et laisser par exemple, j'en sais rien, la dernière lettre prête déjà sur la dernière lettre, mais ne pas valider et mettre, je sais pas, une bombe nuque. Et si on est un peu en galère, on passe, on valide et la bombe nuque elle sort. Enfin, c'est une idée comme une autre. Enfin, voilà. Mais alors aussi, sachez que c'est le jeu qui décide de donner les mots. Alors quand on commence, c'est vierge. Il faut mettre une première lettre et puis bon bah si on a de la chance, elle est dans le mot, ça va, elle s'affiche. Et si on n'a pas de chance, bah, vous voyez sur le côté, il y a la corde. Je me suis trompé une fois. Normalement, c'est une corde qui est vide et bon bah je me suis trompé une fois. Il y a une tête. Si je me trompe une deuxième fois, bah va y avoir le corps, une troisième fois le bras droit, une quatrième fois le bras gauche, ainsi de suite les jambes droite gauche. Donc, ça vous laisse 6 chances. Si vous vous trompez 6 fois, le jeu est échoué. On ne peut plus jouer. Vous ne pouvez plus obtenir les bonus. Donc, faites attention. Trompez-vous pas trop. Mais enfin, bon, c'est quand même assez facile. Hein, parce qu'il y a 7 mots et on a le droit à 6 erreurs. C'est quand même vraiment facile. Donc voilà, moi, ce que je trouvais ouais, le plus intéressant, surtout, c'est la disqueuse en fait. Surtout la disqueuse, le Tesla, à la limite, ouais. La disqueuse, c'est super bien. Et les diables en boîte, c'est vraiment aussi super bien. Sinon, le reste, c'est du classique. Hein. C'est pas ça qui va aider à faire de la manche ou à faire du secret. Bon, voilà. Donc, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah, pas grand-chose. Hein. J'espère que vous avez tous compris le principe du truc. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Bah, like, partage, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao les mecs!